Ça nous prend le temps de là, ces messages codés, mercenaires colombiens qui fait maintenant prison en Haïti pour question assassinat Jovenel Moïse, river tromper vigilance DCPJ et transmettre by famille dans le pays la Colombie. Ancien militaire ça yo utilisé une stratégie côté que yo rivé dans message que y a voyé et écrit y a voyé by famille yo codé quelques sections pour te expliquer situation yo. Plusieurs médias dans le pays la Colombie tant que El Tiempo tant que la EFE aimé yo rivé mettez main sur plusieurs dans lettre ça yo que parents et proches de ancien militaire ça yo partage avec yo à condition pour yo pas révéler non mercenaires qui rivé voyer message codé ça yo moi pral partager avec nous plusieurs extraits dans message ça yo côté que gagne notamment madame Youn Messeneo qui expliquait média colombien pour qui ça lit message ça qui Marie là qui dans prison Haïti écrit là c'est un message codé m'a excusé moi voulais profiter occasion pour moi parler avec Kem pour m'mander excuse pour façon me te contre traiter les m'river dans caill là tout sous et que me contre bateau et sans pas même quitter parler pas même bonne possibilité pour faire quoi que ce soit moi ou on flo avec bâton madame Messenea basée sur extrait ça pour dire li comprendre c'est un message codé parce que à aucun moment Maril pas jamais qu'on entre sous la Kaili et que à aucun moment Maril pas jamais qu'on frappe elle donc pour madame Messenea le fait que Messenea vous ait dit mandez excuses le fait que le qu'on entre tout sous dans Kaila et que le qu'on batte lui c'est un message codé le voyez bali d'ailleurs li fait qu'on est que Maril pas boire alcool donc mais mon premier exemple de message codé que ancien militaire ça a voyé par madame ni. On va continuer pour me dire nous l'autre partie encore. Mande excuse tout parce que me t'ai blessé en pile et que là on t'ai demandé pour aller la caille. Docteur pour un docteur, m'ai pas jambe bonne occasion pour faire ça. Parce que me t'ai quitté fait en pile jour sans manger. Pour moment ça au côté que t'ai qu'on a supplié pour me t'ai pas au soin à cause blessure que moi t'ai provoqué la caille et m'ai pas jambe ba ça régler rien pour moi. Moi songer tout il y a des jours côté m'te kon kito sans boire de l'eau. Moi t'ai vraiment inhumé. Pour qui ça, m'pa jamais bonne chance aller voir personne monde pour t'aider. Pour qui ça, m'pa jamais kito chercher aide. Dieu merci ou gagne un cœur qui noble. Parfois, l'aime garder corps, moi ouais cicatrice, blessure que moi provoqué yo. Nan ki niveau, yo grave mais heureusement, yo commencé guéri. Pour tout ça, avec un pile l'autre encore, moi espérer que vous pas donné. Mais moi surtout espérer que vous comprennent, ou comprennent mot ça que m'écrit là. Ça c'est encore une autre partie message codé que madame Messenea a partagé lettre là avec média colombien qui expliquait que tout ça Maril a expliqué dans lettre là et pas bagaille que une fois depuis elle avec Marie ça, il faut jamais vivre dans relation à savoir prend bâton pas veut quitter la loi docteur pas veut quitter le prend soin pas veut quitter l'allemand des monde aide donc selon média ou selon madame nan c'est une façon Messenea ça utiliser pour expliquer madame ni comment que en Haïti li subit torture yo bat li blessé et que yo pas jamais ba l'occasion pour personne nous aider ni pour joindre soin dans main docteur m'te sont prend exemple yon grain dans message yo pour montrer ça que média colombien ou bien famille mercenaire relé message codé. Mais maintenant il y a un article là que je vais partager avec nous que média El Tiempo publié côté que yo fait un résumé de 5 lettres dans même type là que mercenaire voyé par famille dans pays la Colombie. Message yo dit que j'ai été torturé. Les autres aussi. Nous avons eu les ongles arrachés, brûlés à l'acide, poignardé, battu, etc. Je ne voulais pas vous le dire, mais c'est la réalité. Ils doivent dénoncer tout ça devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme et faire pression sur le gouvernement colombien pour notre rapatriement. Colombien, ça va égarer la demande pour rapatrier la Kaili. Histoire ça, il fait partie de une lettre que ancien militaire colombien écrit pour Ocho à travers délégation Colombie qui devine yo mais des messages que yo codé me so dit nous ça déjà nan lettre ça yo côté que 5 et journal El Tiempo qui 5 là-dedans me dit nous et ancien militaire colombien yo lancé appel pour respect légalité
avec droit que rien pour défendre tête yo et ça que et vous faire connaître que réalité a li manipulé selon ça l'est yo faire connaître gagné yo interprète dans moment interrogatoire mercenaire colombien yo selon ça youn nan l'est yo dit et espagnol moun sa qui t'a interprété parole yo by autorité haïtienne dans moment t'a interrogé yo interprète ça li pas trop bon en espagnol parce que ça d'ailleurs li t'a utilisé yo crayon avec plusieurs feuilles papier pour te écrire à la main ça que et Colombio tape deal et que lui-même t'a retranscrit en espagnol alors en français ou bien créole yo fait nous dormir dans matière fécale dans lettre ça yo Colombio remercier famille yo pour soutien yo yo cite notamment madame yo petit yo qui est supporté yo malgré tout ça autant dit yo fait connait que yo subi en pile mauvais traitement emprisonné dans conditions précaires côté que souvent yo fermé 24 sur 24 7 sur 7 et que obligé coucher côté qui gagne toilette moun nous ne recevons que repas par jour et nous dormons parmi les excréments humains les rats et les cafards d'après ça un mercenaire raconté dans lettre ça que écrit et voye bay moun la caillou nous n'avons pas de procédure régulière. Nous n'aurons pas un procès équitable. Dans une lettre, vous avez capturé et fait référence dans le jour où vous capturé et traitement que vous recevez. Ils nous ont emmenés en prison. Nous avons tenu 26 jours ligotés, certains seuls, d'autres à deux. C'est comme ça qu'on allait aux toilettes. C'est comme ça qu'on mangeait. Parfois, nous nous baignions et je n'allais aux toilettes que lorsqu'ils... Il parle des gardiens, le voulait. Mais on n'a l'air, il y a un mercenaire qui racontait que yo fait changer prison. Yo gagne une natte pour yo reposer yo. 18 là dedans yo, 18 de toutes 18 là, yo mettait au même côté. Yo mettait au bon côté, yo trou côté que prisonnier yo jeté toilette yo. Pipi à toilette, c'est bon et n'est pas ça. Yo mettait au dormi depuis les transférés yo changer dans prison. N'a pas rappelé que tu dans DCPJ, yo t'ai mené yo dans pénitencier national. Mais on a l'air, journal a dit que li un ex militaire yo fait connaître que yo te recevoir en pile coup de bâton, en pile coup. Après les ont fait capturer yo, yo pas dit ça, mais yo recevoir et yo vivent en pile torture. Pendant premier mois, yo gan pile douleur qu'il a toujours. L'autre copain li yo, yo prend coup de manchette, yo boule avec acide, yo ba coup de poing, mais bon Dieu grand, selon sa lettre l'a dit. Et yo rive survivre. Yo lot nan capturé yo. Expliquer que yo tenté assassiner plusieurs fois pendant torture. Nan ou lot document, yon nan soldat et colombien yo qui nan men autorité haïtienne yo, mande famille pour yo pa kwè nan tout ça yo tenté a dit sou yo nan média parce que tout bagay yo manipulé. Gen gwo arrangement qui fait pour faire considérer nous comme coupable nan dossier ça. Yo mande mais c'est néo dans l'étude, ils ont demandé médiation, organisation internationale qui a cherché à défendre droit moun. Et ils ont demandé pour qu'il y ait un procès qui fait aux États-Unis et que la Cour interaméricaine droit de l'homme vérifie plainte. Selon une approche qui recevait l'étude, qui parle avec Média Colombien El Tiempo, presque deux mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, pourquoi gagner aucun processus et qui engagé contre colombien yo encore moins sur procès et yo mandé ministère affaires étrangères pays la Colombie pour jouer un rôle plus actif dans dossier ça parce que selon ça on dit tout droit ancien militaire yo violé en matière de procédure pénale et que toute déclaration yo fait yo c'est déclaration qui doit selon expert yo pas valable devant un cours international parce que il y a un paquet de procédures qui n'est pas respecté, notamment il n'y a pas de assistance avocat. Par an, ça a dit, li clair que, et il est capable de tromper nous. Pour moi, Colombien innocent, jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a un droit pour gagner un procès équitable et une défense au respect de leurs droits. Jusqu'à ce que, et notamment droit à la vie. Nous tendez en pile bagaille. Première parole pour moi, dit nous. Faut ne pas prendre toute sa Colombie au dit pour vérité. Dans tout sens. Quitte ces paroles qui accablent ou quitte ces paroles qui défendent. Mais maintenant, Gongrin Bagay m'a voulu attirer l'attention sur lui. Question mauvais traitement Colombie ou prenne en prison en Haïti, et c'est pas là que nous
Je voulais nous arrêter sur la question de mauvais traitement. Que qui gagne dans la prison en Haïti? Je dis à qui c'est moi, qui c'est ou même qui a regardé la vidéo ça, peu importe et partisan soyez. Dès pour tomber dans une prison en Haïti, c'est dans l'enfer pour y. Donc, je voulais attirer l'attention sur la question de prison en Haïti et par rapport à témoignage ça. Parce que ça, comment on vit là, c'est bagaille que Haïtiens pareil nous, à vivre la caillou dans la prison la caillou chaque jour pendant des dizaines d'années. Ça, c'est important pour nous comprendre que, parce que si demain matin, pour une raison quelconque, ou tomber dans la pénitentiaire nationale, il n'y a pas de traitement mieux que ça. Donc, traitement ça au Colombien, il n'y a pas de traitement mal parce que c'est Colombien qui est impliqué dans le juvenile. C'est comme ça qu'on traite les gens dans la prison en Haïti. Question de respect de l'homme, il n'y a pas existé en Haïti. Moi, je crois que Colombien, vraiment, ça a dit en ce qui a trait à la torture, il a subi au vrai. Mais est-ce que vous subi torture pour te faire une vérité sur le dossier et assassinat de Jovenel Moïse? Moi, plus quoi que vous torturez pour forcer une version de gens qui étaient engagés. Je ne dis pas que Colombien pas la donne. Colombien n'a pas de jamais trouver une situation comme ça. Donc, peu importe ça, vous dites, qui si vous tuez Jovenel vrai, qui si vous pas tué, le fait que vous êtes Jovenel là, vous avez un pile bagage et vous dites, vous avez une part de responsabilité. Parce que, dignité vient arrêter au président, c'est n'importe quoi. Mais la dignité a besoin d'arrêter au monde, c'est argent. Yo. Donc, le fait que Mercen est impliqué dans l'opération, soi-disant, pour venir arrêter le président, nous t'es déjà impliqué dans l'opération illégale. Si témoignage fait sous torture, il est capable peut-être de mentir là-dedans. Moi, bien dit, peut-être. Mais il est évident que Colombien, pas qu'à innocent, et Jean, il prétend nier. Donc, je devine partager avec nous, mais comprenez bien que il y a pile manipulation de monde qui touye Jovenel. L'emballe de monde qui touye Jovenel, si c'est Colombien qui pèse sous gâchette là, mais il faut connaître que Léon Charles, Dimitri Erard, Civil Jean Laguel, ministre dans le gouvernement, et Claude Joseph et consort, ils ont tout c'est fait partie cerveau complot. Mais moi reconnaître que, n'a pas accepté que ce soit Léon Charles, que ce soit Claude Joseph, ils ont un pire grand patron. En d'un PHTK, en d'un pouvoir qui travaille pour lui.